couleur miel, si tu préfères. Mais il n'est pas miel, il est gris. Mais non, il n'est pas gris, il est miel, de couleur miel. T'as jamais regardé ton chien? T'as jamais vu qu'il était gris? Ça veut dire encore là, j'en regarde tous les jours, j'ai quand même eu le temps d'apercevoir qu'il était miel, excuse-moi. Mais non, excuse-moi, objectivement, il est gris, comme une souris, comme un âne, voilà, comme un grand loup gris. La preuve, on l'appelle grand loup. Mais c'est toi qui l'appelles grand loup. J'avais su pourquoi d'ailleurs. Ce que je sais, c'est qu'il est miel. Bah tiens, c'est comme s'il était devant moi là. À l'instant, je le vois, bah il est miel. Bah moi aussi, je le vois là, mon grand loup gris. Bon, bah alors, mets perdu, grand chien gris. Mais si tu mets gris alors qu'il est miel, les gens vont pas savoir que c'est le nôtre. Bah alors, je mets gris miel alors. Voilà, ça c'est bien. Perdu, grand chien gris miel. Oh, j'ai dû les laisser à Rome. Ah, tu viens de Rome? Oui, oui. J'ai dû les perdre à l'hôtel ou dans l'avion. Je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi. Dis, on a mis une pancarte en bas, tu l'as vu? Quelle pancarte? Alex a perdu toutou. On a mis une pancarte en bas sur la porte de l'immeuble, tu l'as pas vue? Non. Oh, elle se voit pas. Ah, t'appelles toutou alors? On a tous les deux perdu toutou. Oh, mais pauvre! Oh, c'est drôle! Non, je dis, c'est drôle que le même jour je perds mes clés, vous, votre chien. Les clés, c'est pas très grave, hein. Il y a des doubles. Oui, mais votre chien, vous allez le retrouver si vous avez une pancarte. Bah, faut encore qu'elle se voie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit le chien aussi. Il faut qu'on voit la pancarte et le chien. Oui, et ça, c'est pas gagné. Hein. Bah, maintenant qu'il est parti, pour parler de nous sans en parler, je vois vraiment pas de quoi on va parler. Et ça, il va falloir qu'on trouve. Hein. Bon, eh bien, moi, je vais dire deux mots à la voisine. Et ce ne sera pas du langage sous-jacent. Mais t'as pas son numéro. Attendez-moi. Arrête avec la voisine, là. C'est quoi, elle s'inquiète, elle n'arrive pas à dormir. Non, c'est bon, ça va, arrête avec la voisine. Allô? Allô? Oui, c'est la voisine. Oui, la femme de votre voisin. Arrête. Non, ben non, on ne l'a pas encore retrouvée, non. Dites, je voulais vous poser une question. Quand vous parlez de votre chien à mon mari, est-ce que de manière sous-jacente, vous lui dites que vous le désirez? Mais arrête, Zoé! Non! Zoé, arrête! Qu'est-ce que pense mon mari? Arrête, Zoé! Oh, ben alors accrochez! Mais ça a sauté, mais quand il fait pareil! Mais puisqu'il s'est rien passé, puisqu'il ne passe rien avec. Mais qu'est-ce qu'elle va s'imaginer maintenant quand je vais la croiser? Tu te prends pour un don juan! Mais pourquoi tu fais ça? Tu me détestes ou quoi? Ouais, en fait, c'est une corvée, ce chien. Je te dis, c'est une corvée. Et ça, il nous aura fait chier jusqu'au bout. Il nous aura coupé de nos amis, de notre fils, de tout. Enfin, il t'a quand même permis de rencontrer la voisine. Ça, maintenant qu'on se sépare, il se barre. Ça, putain de clébard. C'est pour tout. C'était pas belle.